Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode de l'épopée d'Olimar. J'espère que vous allez bien, moi ça fait longtemps que j'ai pas tourné. La dernière fois on avait commencé l'histoire annexe, l'épopée d'Olimar machin, c'était des mini-jeux. Oui ça j'avais dit que j'avais débloqué. Et là du coup on est parti pour le troisième jour. Et cette fois on avait que des fruits, c'est ça, voilà. Parce qu'au début il y avait de l'or sur les deux premiers, et là non. Du coup voyons où ça nous mène. Mon nom est Olimar, je suis le capitaine du Dolphin. Oui. C'est la troisième fois que je visite cette planète, j'y reviens sans cesse pour trouver des trésors, mais encore. Nous avons déjà exploré un grand nombre de zones. Mais beaucoup de mes notes et des pages de mon journal de bord ont disparu. Il doit y avoir un problème avec le système de gestion des notes. Quand on sera rentré sur Okotate, il faudra que je demande au président de le faire mettre à jour. Ok, on est dans cette zone-ci. Si seulement on pouvait aussi mettre Louis à jour. La rivière. N'oubliez pas de ramener aussi les fruits qui se trouvent dans l'eau. Merci, président. Alors, il faut que je me rappelle des touches parce que... je ne les connais plus, très honnêtement. Alors... wouah, la zone est immense! Putain, mais c'est fou, ça. La zone qu'il nous faut explorer est immense. Il nous faut... bon, on va prendre Louis pour récolter des jaunes. Pour niquer cette barrière-ci. Avec Olimar, on va partir de l'autre côté pour récupérer le citron. Allez, hop. Toi, là-bas. Non. Bon, on va lui balancer, ça va être plus rapide. Voilà, récupère-moi ça. Pendant ce temps, toi, tu vas aller là-bas. Hop, toi, c'est bon. Il y a quelques bulborbes ici, on va s'en faire. Voilà. Bon, alors, toi. Voilà, on va t'aider quand même. Hop. Non. Hop. Toi. Ah, en plus, il y a un bulbeur juste à côté, merde. Bah tiens, ramenez-moi ça. Ouais. Oh merde, j'ai balancé un bleu, c'est pas grave. Il m'en faut combien? 10, j'en ai 9, c'est parfait. Il est où le bleu là? Reviens là! Reviens là, salaud! Vous me faites chier, merci. Hop. C'est bon, hein. Parfait. On a quoi? Avec l'Olimar, on va prendre tous les bleus là. Enfin, on va prendre toutes les petites framboises de merde là. Ça sera très rapide, il n'en faut que 3, je crois, par framboise. Louis. Hop, c'est bon, viens ici. Vous allez vous attaquer à ça. Voilà. Viens ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Je fais quoi moi avec ça? Je peux prendre les nénuphars. Les nénuphars m'amènent où? Je vois pas de nénuphars. Hein. Je pense qu'il y a pas de nénuphars, ouais. Donc on va laisser toutes nos troupes ici. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, voilà. Louis, t'en es où? Bientôt. Nous, on va descendre dans l'eau et on va se faire... bon, il y a quelques ennemis, j'ai vu, donc peut-être... Qu'est-ce que vous me faites chier, vous, là? Je vous ai dit de pas me suivre, c'est incroyable, ça. Dégagez. Non, il en faut qu'une, parfait. Hop, prenez-moi ça, vous. Je préfère éliminer les ennemis tant que je les ai à côté. Voilà. Oh, prenez-moi ça, prenez-moi ça. Y'a quoi d'autre dans l'eau? Hop, tu vas aller là-bas. Louis, c'est bon que t'as fini. On va continuer. On va faire tout ce grain de raisin là.
Peut-être pas à vrai dire. Parce que j'ai vu qu'il y avait des ennemis et faible électricité. Toi t'es là, en effet. Ah mais il y a eux là. Vous pouvez s'il vous plaît attaquer le poisson là, merci. Non 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 vas-y 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 vas-y. On s'en prend. Louis. Olimar. Tu vas venir ici. Louis, on va continuer par là. Qu'est-ce que vous faites? Nickel lui, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils ont la. Une protection? Toi. Hop. Vous allez commencer par ça. Et tu vas aller ici. Non, s'il vous plaît, ne perdez pas de temps sur ça. Prenez-moi. Hop, ces morceaux-ci. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Eh ben, plus grand-chose. Le raisin, au final. S'il vous plaît, allez-y. Allez-y. Les gars. Merci. Ouais, c'est ça, en fait. Ce truc là-haut, il est inoffensif, on est d'accord? Allez-y, les gars. Non, c'est bon, ils y sont. Eh ben non, il n'y a plus qu'à attendre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, le billboard fait pas chier. Merci pour ta coopération, il reste plus rien d'autre hein. Non, nickel. Bon bah alors... A tout de suite. Et voilà, mission accomplie. Parfait ça. Et ça en genre, on a fait quoi? On a fait ça en 5 minutes. Je suis content, pour l'instant ce mode me pose pas de problème. Quand je vais commencer à en chier, je vais voir flou. Je ne trouve pas les mots, machin, voilà. Nous avons récolté un joli butin avec Louis. J'aimerais juste que ce goinfre arrête d'avaler tous les fruits qui lui passent sous le nez. Il faut que nous réussissions à mettre la main sur des trésors de plus grande valeur. Ma femme et mes enfants me manquent. Vivement qu'on soit de retour à la maison. Capitaine Olimar. Des fruits et des pépites encore. Il y a beaucoup de trésors à me ramasser dans la toundra, ok. Ça va permettre de les perdre. Ah, et là on va avoir peu de Pikmin, c'est ça l'idée? J'ai vraiment peur de, j'ai peur d'avance pour les derniers niveaux. Très honnêtement. Moi et Olimar, je suis capitaine de... Parce que pour l'instant ça va, mais les derniers niveaux je vais me faire défoncer, je le sens. J'ai peur, je vais rager, je le sens, et ça me... Malgré ma combinaison spatiale, j'ai vraiment très froid. Ah oui, ça se voit. Malgré que ma combinaison a des problèmes d'isolation thermique. Le président a dû l'acheter dans une boutique de vente par correspondance. Foutu Amazon! Complètement raté sa recension, nos résultats sont catastrophiques. Et la vague de réduction des coûts a aussi touché notre tenue de travail. Oh, il se fait démolir lui. On dirait que l'isolation électrique n'est pas très bonne non plus. J'aurais peut-être pas dû me séparer de mon anti-choc. Mais oui, parce que du coup, vu qu'il a donné les tenues à nos trois... Quelle planète ils viennent déjà? Je sais plus, les trois protagonistes de base. La sienne n'a plus rien. Alors. On a rien là-bas, on a rien de l'autre côté de la rive, donc on va pas se faire chier à y aller. De toute façon, je ne pense même pas qu'on puisse y aller, en fait. Non, on peut pas y aller, très bien. Mais on doit aller jusqu'à là-bas. Ici, c'est déjà ouvert. Bah, Olimar va être de charge de l'eau, encore une fois. Et de ça, là. Louis va faire un peu le reste. Il va débloquer ici avec les jaunes. Bon, écoute, du coup, tu vas aller ici, par toi-même. Vous allez ici. Non, mais toi... Je t'ai dit d'aller ici. Mais non, mais... Là. Tout seul, comme un grand. Vous êtes 5, c'est largement suffisant. Déjà, le mini qui lui, je l'avais pas vu. Bon, vous allez faire des piquets en plus. Toi, récupère un. Ils sont plantés.
soin des Pikmin. Pas encore les là-haut. Il me faudra des jaunes. On va déterrer ça, les jaunes ils font leur taf, tranquille. Et puis je vais les envoyer creuser. Hop. Toi, t'en es où? J'ai quelques... Toi là. Est-ce que tu peux mourir dans les plus brefs délais? Bon, tant pis. Hop, mangez-moi ça. Et je vais rester là. Ici, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Parfait. Voyons voir ce qu'on a dans le coin. Bref, fait froid, je m'en fous, Louis. Hop, tuez-moi lui, là. Ah merde, mais ils sont en train de faire des couilles, là. J'avais pas vu. Voilà. Pour l'instant, je peux pas les ramener parce qu'il y a lui sur le chemin. Ouh la merde, c'est vachement dangereux. Bon, pas grave. Il a l'air de s'en foutre royalement, parfait. Mais je vais pas les envoyer quand même. Hein. C'est un peu trop... Qu'est-ce que je fais? Je sais plus. Je sais quoi, vas-y, c'est propre. Voilà. Vas-y, s'il te plaît, merci. On va voir si on peut pas récupérer les jaunes. Ouais, viens ici, viens. Viens ici, viens. Non, non, mauvais côté, mauvais côté. J'ai de la chance, j'ai de la chance. Hein. Vous venez là. Niquez-le moi là. Vite, 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 vite. Parfait. J'ai pas assez. Ramène-le moi, voilà. Et tu vas aller. Ouais, voilà. Louis, tu vas te rendre ici. Olimar. Tu vas récupérer ceux qui sont ici. Et lesquels il me faut. Attends, on va tuer lui rapidement parce qu'il est vraiment très facile. C'est vrai qu'il y a vraiment aucun problème à les brûler. Ça n'a aucun impact sur eux. Sur le long terme, je veux dire. Genre, tout dans la... Juste tu les souffles et ils font ah oui, mais au fait, on s'en fout. Oula. Merci bien. Ça, comment on le récupère? Tiens, vous allez aller ici. Hop, je vais récupérer ça. J'ai de l'or là-bas. J'ai un merdier ici. J'ai les rouges en bas là. De ce côté-ci, j'ai deux feuilles. Bon, tue-moi cette feuille, s'il vous plaît. Merci bien. Je vais tuer lui avant. Hop, montre ton cul. Hop, tuez-moi ça, voilà. Je vais en profiter. Toi, là-bas. Non mais oh. Merci. Olimar, Olimar, où es-tu? Hop, on va vite aller là-bas. Attends. Vas-y, Olimar, tu fais quoi? T'es où? Hop, déterre-moi ça. J'ai vu qu'il y avait un mob de l'autre côté là-bas, mais c'est une espèce de... De petite merde là. Casse les couilles, visiblement. Mais... Eh. Je vais mettre des patates, moi, tu vas voir. Allez crème. Il me reste 7 minutes, je suis large. Hop, on va aller au vaisseau. On va récupérer eux, visiblement. Oh non, ils sont pas finis encore. Putain. Ils ont l'air d'avoir... Mais oui, ils ont ramené le merdier qu'il y avait au milieu, là, putain. Hop. Louis. Hop, ramenez-moi ça. On va en profiter pour ramener... Y'a rien ici? Si, y'a un truc au milieu. On n'a qu'à pas le déclencher.
Je veux dire, non. Je vais attendre que tous partent là. Olimar, t'es ici, où est-ce que tu peux aller? Tu vas me faire... Tu vas aller là. Sans. Sans quoi? Je peux le battre tranquille en vrai, je pense. Je cours un peu. Monter. Hop. Bon, il y a eu quelques morts, mais c'est pas très grave. Je peux me le faire, je peux me le faire. Oh merde, j'étais envoyé... Je n'avais point fait gaffe. Hop, venez à moi. Viens ici, toi. Hop. Ouais, c'est bon, c'est fini. Toi, t'en es où? Hop. Tu vas m'emmener ça. Et vous allez m'emmener ça. Louis. Ok, parfait. J'ai bien fait de le tuer, j'avais un doute. Te repose pas, toi. Ensuite, on va où? On a une orange au-dessus. J'ai pas assez pour le battre, lui, là. Est-ce qu'il y a des jaunes, là? Oui, parfait. Venez ici. Hop. Niquez-moi ça. Commencez-vous ici. Allez, niquez-le là. Vous y êtes bientôt là, oui, voilà, parfait. Merci bien. Hop. Vous avez assez là? Parfait. On va aller récupérer l'or qui est là-bas. Non. Non, non, on va récupérer la fraise qui est ici. Voilà. Et c'est tout. Parfait. Et voilà, les deux dernières pépites. Terminado. Mission accomplie. Et avec ça va se terminer cet épisode. On va voir un peu ce que nous dit Olimar. J'aime bien ce mode de jeu. Pour l'instant, j'aime bien. Quand ça deviendra plus dur, j'aimerais moins. Mais pour l'instant, j'aime bien. Ça me fait plaisir. J'essaie de garder des épisodes un peu courts, enfin un peu plus courts que d'habitude, parce que je sais que d'habitude je suis sur du 20, 25, 30 minutes. Là, j'essaie de garder sur des épisodes un peu plus courts. Dans chacun des épisodes de l'épopée de l'univers. Oh cool! Donc pour l'instant, ouais. Je suis assez content, on va s'arrêter là. Et puis on fera... On commencera sûrement l'épopée de l'univers 2 dans le prochain épisode. Nous avons trouvé de nombreux fruits dorés dans cette région, si nous continuons comme ça, nous pourrons bientôt rentrer sur Okotate. En attendant, nous avons détecté un énorme objet doré qui ne demande qu'à ce qu'on aille le récupérer. Femme, enfant, encore un peu de patience. Est-ce que cet énorme objet doré, ça serait pas le boss final de la quête principale? Devant la tour. Ah. Mais j'ai rien demandé? Mais je voulais m'arrêter là. Bon. Donc vous vous souvenez quand j'ai dit ouais, les épisodes plus courts, machin? Bah j'ai menti du coup. J'ai découvert cette zone un objet qui brille d'un éclat doré. C'est sans aucun doute un trésor d'une valeur inestimable. Qu'est-ce qu'il fait l'autre derrière? Louis d'habitude Saturne s'est fortement opposé à notre venue ici. Mais au fait, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Qui, Louis? Où est-ce qu'il a bien pu passer? Comment ça, ça fait un moment que tu l'as pas vu? C'est complètement con de nous dire ça en le mettant derrière. Ce fut le dernier message du capitaine Olimar. Oh merde, il est mort! Qu'est-il advenu d'Olimar et de Louis? Une intrépide équipe de copiens trouvera peut-être la réponse au cours de ses aventures. Il est mort! L'épopée d'Olimar. Fin. Je pensais qu'il y aurait un cinquième niveau. Bon, en fait, c'est bon, finalement, j'ai pas menti. Bah, je suis sur le cul. Ok, très bien. Bah, y'a pas de soucis. Et je suis con, en plus, on a eu la médaille et j'ai dit ah, bah oui, machin. Bah, écoute. Parfait. Compte rendu, c'est quoi? Ok, ouais. Du coup, la prochaine fois, l'épopée d'Olimar 2. Alors qu'ils viennent de rentrer sur Okotate, Olimar et Louis se voient confier une nouvelle mission. Le président d'Okotate Fret leur demande de retrouver toutes les pièces du vaisseau. Mais c'est génial. Eh ben, j'espère que ça vous intéresse. On se retrouve
dans le prochain épisode. Hein? Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à les habituels, pouce bleu, machin. Vous abonner aussi, c'est très important. Et de partager, de mettre un commentaire. Bon, bref, vous connaissez les bails. Ou les beaux. Hein, comme vous voulez. Sur ce, je vous laisse, je vous dis au revoir.